Le docteur Houald, dentiste, stomatologue. Cet homme aurait fait tuer sa femme pour éviter un divorce qui lui aurait coûté très cher. Jusque-là, l'histoire est banale. Elle ne l'est plus quand un commando de la mafia calabraise débarque dans un petit village de 300 habitants en Auvergne pour faire le sale boulot. Elle l'est encore moins quand on découvre l'existence d'une complice au-dessus de tout soupçon. Une mamie, genre mamie confiture, qui a hébergé les mafieux italiens, qui les a nourris, qui a fait le taxi jusqu'au lieu du crime, qui leur a remis l'arme et qui a payé le contrat. Tout ça parce qu'elle était secrètement amoureuse du bon docteur, au point, après une vie bien rangée, de la faire basculer dans le crime à 62 ans. Clermont-Ferrand, lundi 25 novembre 1991. À 23h, un chauffeur de taxi charge un jeune homme dans le centre-ville. Le client veut se faire conduire en banlieue, à Roya. Quelques minutes plus tard, un habitant de Roya entend un coup de feu. Il voit un homme se faire éjecter d'un taxi. C'est le chauffeur. Il est mort. La voiture prend la fuite. Vers 1h du matin, à Risse, à 60 km de là, une jeune fille appelle les secours, totalement paniquée. Son ex-petit copain vient de tirer sur sa mère et son beau-père. Il les a tués tous les deux. Elle explique que le garçon était au lycée avec elle, qu'il n'a pas supporté qu'elle le quitte et qu'il est venu se venger. Quand les gendarmes arrivent, ils retrouvent près de chez elle un taxi abandonné. Ils comprennent alors que le même lycéen a aussi abattu le chauffeur de taxi à Roya. Trois meurtres en 1 heure. Un carnage. Le gamin a disparu avec son arme. La chasse à l'homme commence. Les gendarmes qui étaient habillés avec des gilets pare-balles nous ont dit « On a un fada dans la nature, il est armé, il risque de tirer ». Toutes les brigades du coin avaient quadrillé le secteur et ils essayaient de chercher, mais dans une nuit noire de novembre, c'est pas évident de trouver quelqu'un. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était parti? Personne n'en savait rien, finalement. On dit on est tombé sur un fou qui est prêt à tout. Au petit matin, le lycéen est toujours introuvable. À 7h30, le téléphone sonne de nouveau au commissariat. Police secours, bonjour. Une femme vient d'être tuée par balle à 800 mètres de là. Les homicides par arme à feu sont pas très courants à Clermont-Ferrand. Un triple homicide, ça relevait déjà de l'extraordinaire. Donc un quatrième homicide, on pense que cette quatrième victime a croisé par hasard le chemin de ce tireur. Sur place, les policiers découvrent le corps d'une femme d'une quarantaine d'années, couchée dans le hall d'entrée, face contre terre. Le corps de la victime baigne dans son sang, au niveau de la tête, ça saigne abondamment. Et autour d'elle sont répandues les provisions qu'elle a dû vraisemblablement aller acheter peu de temps avant. Et on a vraiment le sentiment qu'elle a été cueillie et qu'elle a été abattue au moment où elle rentrait chez elle. Donc elle a été surprise. Elle n'a pas eu le temps de poser ses affaires. Tout est répandu par terre. Et l'un des policiers croit tout d'un coup reconnaître son ex-belle-sœur Françoise. Son fils aîné est arrivé tout de suite. Et j'ai dit, c'est ta maman, parce que c'est vrai que elle était face contre terre. Je pensais que c'était elle, mais j'en étais pas sûr. Il me dit, ben oui, c'est ma mère. Il était complètement perdu, affolé. Ben oui, c'est ma mère. C'est l'adolescent, 16 ans, qui a découvert le corps de sa mère dans une mare de sang. Le fils aîné se trouvait à l'étage, il regardait la télévision. Il a entendu, sa mère rentrer, donc il a entendu la porte s'ouvrir. Il a même évoqué les boutons du manteau de sa mère sur la porte. Et tout de suite après, il a entendu des bruits sourds et un cri. Donc immédiatement,
Il est sorti, et lorsqu'il sort, la rue est déserte. Il n'y a personne. Rien qui attire son attention. Cette fois, personne n'a entendu les tirs. Sur le sol, près du corps, les policiers retrouvent des douilles de petit calibre. Et ça ne colle pas avec le fusil de chasse du lycéen en cavale. Laurence Bédos, à l'époque, vous êtes substitut de procureur de permanence cette nuit-là à Clermont-Ferrand. Quand on vous alerte donc sur le fait qu'on a retrouvé le corps de Françoise Ferrérol sur le pas de sa porte, vous rendez sur place ? Oui, j'ai été appelée un peu après 7h30 du matin par le commissaire de permanence qui m'avise qu'une femme de 42 ans, une mère de famille, vient d'être abattue à son domicile. Est-ce que, comme ça, de prime abord, ça colle avec les autres scènes de crime auxquelles vous avez été confrontée dans les heures qui ont précédé ? On ne retrouve pas, à travers les indices de la scène de crime, la même atmosphère, la même passion au sens violent du terme, avec tout ce qu'elle a d'incontrôlable. On ne retrouve pas la folie meurtrière qui a animé le lycéen au cours de la nuit précédente. Au contraire, ici, tout indique qu'il s'agit d'un acte froid. C'est plus organisé. Pro, quoi, plus professionnel. C'est beaucoup plus pro, oui. Le lycéen, je suppose que c'est votre objectif dès ce matin-là, mettre la main dessus rapidement, ça vient vite. Un des chauffeurs de taxi stationné à la gare Saint-Germain-des-Fossés, dans l'Allier, a appelé la gendarmerie pour signaler qu'un jeune homme qui pouvait correspondre au signalement du lycéen avait pris le train pour Paris. Venait de prendre le train à destination pour Paris. Cette information se recoupe avec une autre information, la mère du lycéen. Celui-ci l'a appelé à 8h30 du matin pour lui dire qu'il prenait le train à destination de Paris et qu'il arrivait à 12h12. Donc immédiatement, c'est la BRI qui va l'interpeller sur le quai de la gare de Lyon à 12h20. Il est armé de son fusil à pompe, qu'il dissimule mal d'ailleurs dans son sac de sport. Fusil à pompe, approvisionné de 3 cartouches, dont une chambrée, c'est-à-dire que l'arme est en état d'être utilisée. Au cours de l'interrogatoire qui suit, il avoue. Il avoue rapidement les 3 premiers meurtres. Il avoue le meurtre du chauffeur de taxi, de la mère et du beau-père de sa petite amie. Et il conteste en revanche avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Françoise Ferrérol. Pour vous, à partir de ce moment-là, vous écartez sa responsabilité concernant le meurtre de Françoise Ferrérol. Oui, c'est très clair. Ses déclarations, la scène de crime, les éléments, les constatations, et puis son emploi du temps. Donc ça n'est pas lui. Nous avons à ce moment-là la certitude que ce n'est pas lui qui a abattu Madame Ferrérol. Les 3 premiers meurtres de cette nuit folle viennent donc d'être élucidés. Reste celui de Françoise Ferrérol, cette mère de famille qui a été abattue chez elle à 800 mètres du commissariat. Les premiers éléments orientent l'enquête vers la piste d'un tueur professionnel. Françoise Ferrérol a été tuée sans mobile apparent. Rien n'a été volé, aucune trace d'effraction. De toute façon, Françoise ne fermait jamais les portes à clé. C'était une femme aux habitudes bien réglées. Comme tous les matins, le jour du meurtre, elle est sortie à 7h15, après le départ de son compagnon et de son fils cadet, pour faire quelques courses tout en promenant sa chienne. Comme d'habitude, elle est revenue à 7h30. C'est à ce moment-là que le tueur a dû l'abattre. Étant donné la position du corps et des douilles, il l'attendait à l'intérieur. Visiblement, l'auteur du coup de feu est vraiment informé de ses habitudes. À tout le moins, il a été informé, ou il a pu surveiller les allées et venues de sa victime et ainsi figer ses habitudes. Les policiers découvrent aussi une trace de sang sur le mur arrière du garage. Donc la trace de sang que l'on voit nous indique que l'auteur a pris la fuite par les arrières du pavillon. L'arrière du pavillon donne accès à un petit square avec un bac à sable et ensuite au parking d'un groupe d'immeubles qui est derrière, qui permet de rejoindre l'avenue de la République sans repasser par la rue des Récollets. Elle savait parfaitement
comment entrer et comment repartir sans être vu, sans être inquiété. Du travail de pro. Personne n'a entendu de coup de feu. Le tueur a certainement utilisé un silencieux. L'autopsie vient confirmer que c'est un homme d'expérience. Françoise a été tuée par derrière, au moment où elle refermait la porte. Elle a reçu 3 balles dans la tête et 1 dans la poitrine. Tous les tirs étaient précis et mortels. 3 balles dans la tête avec une arme munie d'un silencieux, c'est pas le genre de procédé utilisé en Auvergne. Ce genre d'exécution se produit peut-être assez fréquemment sur Marseille, Paris ou même à Lyon, mais à Clermont-Ferrand, ça n'était jamais arrivé, c'était la première fois. Les policiers interrogent les voisins. Seul un retraité a vu des types bizarres vers 7 heures du matin. Lorsqu'il sort avec son chien, il remarque dans la rue des Ricollets 3 silhouettes. Ils sont un peu éloignées. Et lorsqu'il sort de son pavillon, ces silhouettes qui semblaient venir vers lui font demi-tour et repartent en sens inverse. Un peu plus tard, le fils de Françoise croise lui aussi 2 hommes près de chez lui. Il part à l'école et il remarque des hommes effectivement qui sont en tenue de jogger et font une forme d'assouplissement, enfin qui sont là comme des sportifs du matin, comme on peut en trouver assez fréquemment. Françoise Ferrérol vivait près d'un stade et d'une caserne de militaires. Les sportifs, c'est pas ce qui manque hein, dans le quartier. Au final, ça ne fait pas beaucoup de pistes. Alors Dominique Rizet, le juge va charger un expert, un balisticien, d'analyser les douilles retrouvées sur la scène de crime et les balles retrouvées dans le corps de la victime. Ça donne quoi ? Alors elle n'est pas très complexe à réaliser cette expertise, Christophe, pourquoi ? Parce que d'abord on trouve autour de la victime, sur le sol, des douilles, des étuis. Donc si on trouve des étuis sur le sol, ça veut dire que l'arme utilisée est un pistolet, parce que si c'est un revolver, les douilles seraient restées à l'intérieur du barillet. Donc première chose, c'est un pistolet. Il suffit de les observer, un expert les regarde, pour dire que c'est du 7,65. Il y en a 5. On les passe au microscope électronique, grossissement énorme. On s'aperçoit qu'elles sont percutées, toutes les 5, par le même percuteur. Il a laissé des traces, des griffures sur le métal. Donc elles ont toutes les 5 été tirées par la même arme. Donc une seule arme, ça veut dire un seul tireur. D'accord ? On voit aussi sur le culot de ces étuis 2 chiffres, un 2 et un 30. 2, ça veut dire février, 30, c'est 1930. Ce sont des munitions d'avant-guerre. Maintenant, sur le type d'arme qui a tiré. L'expert va observer, cette fois-ci, sur les projectiles qu'on va extraire du corps de la victime. 6 rayures orientées à chaque fois vers la droite, qui tournent légèrement, et qui sont larges de 14 dixièmes de millimètre. Si on tient compte de ça, on peut dire, alors lui dit c'est un Beretta, mais il dit ça aussi parce que le Beretta, c'est une arme qui a été fabriquée avant-guerre, c'est le 7,65 Beretta italien, et tellement italien que c'était l'arme de dotation de l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Dernier point, l'expert écrit, en observant les projectiles, on relève la présence de résidus de combustion de poudre, ce qui démontre l'utilisation d'un réducteur de son. Réducteur de son, c'est un silencieux. Et donc les policiers vont chercher à savoir si cette arme, elle a déjà été utilisée dans d'autres affaires criminelles. Elle n'apparaît nulle part, elle ne figure sur aucun fichier, c'est une arme inconnue. Et là encore, le juge et les policiers se retrouvent sans aucune piste. Les policiers sont maintenant à la recherche d'un mobile. Qui pouvait bien en vouloir à Françoise Ferrérol au point de l'exécuter ? Françoise Ferrérol est totalement inconnue des services de police. Son casier judiciaire est vierge. C'est une femme de 42 ans, sans histoire. À Clermont, elle est contrôleuse à l'inspection du travail. Ah, ça, c'est peut-être un mobile. Les policiers interrogent ses supérieurs. Les fonctions de Madame Roald à l'inspection du travail n'étaient plus des fonctions d'active. Elle n'avait pas pour rôle de faire des contrôles dans les entreprises, de verbaliser, de sanctionner.
elle ne pouvait pas, de ce fait, s'être attirée des inimitiés particulières. La piste du règlement de compte d'un employeur est donc écartée. Les policiers cherchent alors du côté de sa vie privée. Elle a deux enfants, de 16 et 13 ans, qu'elle élève avec un nouveau compagnon. Elle vient tout juste de divorcer de leur père, Bernard Roualde, un dentiste stomatologue qui est installé en Italie. Elle n'a pas aucun problème professionnel, elle est bien vue de son voisinage, dans sa famille il n'y a pas de conflit. Le seul problème de Madame Ferrerol, c'est M. Roualde et le divorce qui est engagé avec M. Roualde. Voilà, c'est son seul problème. On fait une perquisition à son domicile, on en a même fait plusieurs. On a fait une perquisition dans son bureau, dans ses affaires professionnelles, et on trouve absolument rien d'autre que des documents qui ont trait à son divorce. Françoise est restée mariée 16 ans à Bernard Roualde avant de demander le divorce il y a 2 ans. Et depuis, c'est la guerre. Monsieur Roualde, lui, accusait sa femme d'être une personne très légère, d'avoir des amants. Et Madame Roualde disait « Mon mari fait du travail au noir, il a beaucoup plus d'argent qu'il ne le dit. » Ça a été effectivement un divorce très difficile, où chacun a essayé de salir l'autre. Et Bernard avait toujours dit à Françoise qu'elle n'aurait pas d'argent. Que de toute façon, il s'arrangerait qu'elle ne toucherait absolument pas d'indemnité compensatoire. 3 mois avant le meurtre, le jugement de divorce a finalement été prononcé au tort partagé. Bernard Roualde a été condamné à verser une pension alimentaire pour les 2 enfants et une prestation compensatoire de 550 000 francs, 84 000 euros, à Françoise. Mais Roualde rechigne à payer, même pour les enfants. Monsieur Roualde s'occupait très peu des enfants. La preuve, c'est lorsque le décès a été annoncé, les 2 ont été unanimes pour dire il n'est pas question qu'on aille chez lui, puisque naturellement, c'est ce qui aurait dû se produire. Et l'un comme l'autre ont immédiatement dit « n'en est pas question ». En épluchant le jugement de divorce, les policiers découvrent que Françoise a été assassinée à une date qui arrange bien Bernard Roualde. 1 jour plus tard, ils étaient officiellement divorcés. Mais comme elle est morte la veille, Bernard Roualde n'a plus rien à payer. D'ailleurs, Françoise avait prévenu ses proches, elle avait peur. On déjeunait assez souvent ensemble, hein, au restaurant administratif, et elle me disait, à chaque fois, elle me disait qu'elle se sentait menacée, quoi. Qu'elle n'était pas tranquille parce que, bon, il l'avait menacée. Que si elle lui réclamait de l'argent, ça se passerait mal. Donc le divorce ne passait pas bien. Le fils aîné de Madame Roualde, immédiatement, il a porté des soupçons très précis sur son père. Et il a dit qu'il ne savait pas à quel niveau son père était mêlé à l'assassinat de sa mère, mais il était certain que son père avait à voir avec ce meurtre. Bernard Roualde devient le principal suspect. Mais le matin du meurtre, il était bien à son cabinet d'Aoste, en Italie. Dans la matinée, les policiers français l'ont appelé, lui ont demandé de se rendre chez les carabiniers italiens pour qu'ils constatent officiellement sa présence à Aoste. Roualde a un alibi. Martine Ferrerol, vous êtes la sœur aînée de Françoise, la victime. Bon, on sait qu'au moment de sa mort, elle avait une vie compliquée, elle était en instance de divorce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'elle qui nous permettrait de mieux comprendre la personne qu'elle était ? Bien, Françoise était une femme intelligente, anticonformiste, babacool, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, volage, et puis elle aimait beaucoup l'argent. Et lui ? Le docteur Roualde, son mari, vous l'avez connu, bien sûr. Bien sûr, je l'ai connu. Donc, Roualde était quelqu'un de sympathique au premier abord. Mais tout de suite, on voyait quelqu'un de mielleux, d'un peu sournois. On voyait qu'il cherchait à tirer profit de toutes les situations. Et l'argent l'intéressait beaucoup. Tout de suite, vous le soupçonnez, vous ? Oui. Et sur quelle base ? Eh bien, d'abord, Françoise nous avait surtout dit, s'il m'arrive quelque chose... Voyez tout de suite Bernard, parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est lui qui sera la cause de ce qui peut m'arriver. Elle se sentait menacée, donc ? Elle se sentait menacée, elle nous l'avait dit pas mal de fois, oui. Oui, oui.
Et pour quelle raison? Enfin, pour quelle raison avait-elle évoqué l'idée qu'il puisse la tuer? Eh bien, parce qu'ils avaient eu un divorce plus couleux. Et il avait été condamné à une pension compensatoire assez élevée, et ça, il ne supportait pas du tout. Et puis, d'un autre côté, Françoise avait donc un homme dans sa vie qui était beaucoup plus jeune qu'elle. Et Roald pensait que cet argent servirait pour entretenir cet homme, ses loisirs surtout, une moto, enfin, etc. Et... Donc il y avait une petite part de jalousie aussi, alors? Une part de jalousie aussi. Mais pour vous, c'est une évidence. À l'annonce du meurtre de votre sœur, elle a été assassinée par son mari, quoi. C'est ce que j'ai dit tout de suite aux policiers, qui m'ont dit que, bon, j'exagérais peut-être un peu, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Mais pour moi, j'ai dit, vite, regardez où il est, il faut le trouver, parce que je suis sûre que c'est lui. Alors les policiers ont regardé où il était, ils l'ont trouvé, et le jour du meurtre, il était en Italie. Tout le monde peut en attester, il a un alibi en béton, comme on dit. Ça vous fait douter quand vous l'apprenez? Eh bien, j'ai dit, il a été capable de payer quelqu'un pour le faire, mais je voyais plutôt quelqu'un dans la région Auvergne, quoi. À première vue, Françoise Ferrérol n'avait qu'un ennemi, son mari, qui avait intérêt à la tuer avant que le divorce ne soit définitif. Et puis, l'homme habite en Italie, et c'est en Italie qu'on fabrique ce type de Beretta, l'arme du crime. Les policiers ont quelques questions à lui poser. Bernard Roald est interrogé le lendemain du meurtre dans les bureaux de la police judiciaire de Clermont-Ferrand. La première chose qui m'a surprise, c'est déjà son aspect physique. Il s'est présenté devant nous dans un look qui est plus celui d'un ouvrier de chez Michelin, vous voyez, que d'un docteur qui est stomatologue à Aoste. Le dentiste a des révélations à faire. Il disait, ma femme est trafiquée avec l'Italie. Elle le faisait dans le trafic de drogue. C'est une personne instable, qui avait toujours besoin d'argent, qui se droguait, qui avait des mœurs dissolues. Et je ne suis pas surpris qu'elle se soit fait assassiner. C'est à cause de cette vie dissolue qu'elle menait et de ces trafics de drogue qu'elle faisait avec l'Italie. Un autre témoin va dire à peu près la même chose. C'est une amie du dentiste, Christiane Seguin. Depuis que Roald est séparé de sa femme, c'est chez elle qu'il loge quand il vient en France. Elle va dire des choses comparables à ce qu'a pu dire M. Roald sur le fait que Mme Roald avait un amant italien, sur le fait qu'elle se droguait, sur le fait qu'elle avait des relations sexuelles avec des jeunes en Italie. Et elle va donc faire un portrait extrêmement négatif de cette femme qui correspond au portrait très négatif qui est fait à la même époque par le Dr Roald. La thèse du trafic de drogue colle bien avec l'arme italienne et l'exécution. Le juge d'instruction demande aux policiers de creuser cette piste. Jacques Chauchard effectue deux missions en Italie. Mais après 4 semaines d'enquête, il ne trouve rien. Aucun trafic de drogue, aucune affaire de mœurs liée à Françoise. En parallèle, les policiers s'intéressent à la vie du dentiste. Apparemment, Roald a une belle clientèle et n'a pas mauvaise réputation. Il vivait à Aoste, où il travaillait comme dentiste depuis 5 ou 6 ans. Il avait son cabinet dentaire en plein centre-ville, un petit studio. Mais ce n'était pas une personnalité importante de la ville, un notable. Ici, pourtant, tout le monde se connaît. C'est une petite ville de 36 000 habitants et Roald ne faisait pas particulièrement parler de lui. En France, en revanche, les policiers obtiennent des informations croustillantes sur lui. Roald apparaît comme le roi de la combine, qui proposait des petits boulots, payés au noir. Ce fils d'une amie l'a aidé à retaper une maison en Italie. C'était une très belle maison, et puis on est monté dans la maison, et il m'a demandé de prendre de l'argent sur moi, de l'argent liquide, des billets en lire italienne, et de les mettre dans mes poches. Même j'ai allé jusqu'à mettre dans mon caleçon pour passer cet argent en France. C'était des billets qui étaient en rouleau, qui étaient donc enroulés avec un élastique,
qui sortaient un peu de partout, derrière les radiateurs, dans la salle de bain. Ils sortaient les billets comme ça et puis ils disaient « mets ça dans tes poches, mets ça dans tes poches ». Pendant le divorce, Françoise prétendait qu'elle avait constitué un dossier contre son mari, qu'elle avait des preuves sur ses petites affaires. Madame Ferrerol raconte que le docteur Rouald trafiquait avec l'Italie, passait des lires, et notamment en les cachant dans les roues de sa voiture. Et si bien qu'un jour, un pneu de sa Mercedes a éclaté, dans lequel il y avait des lires. Ces lires se sont répandues en petits confettis, et Madame Rouald avait récupéré ces billets déchiquetés qu'elle avait mis dans un sac pour pouvoir prouver éventuellement par la suite que son mari était un trafiquant de devises. Et les policiers retrouvent les confettis de billets cachés dans la cuisine, mais pas le fameux dossier Françoise. Selon certains témoins, les magouilles du dentiste seraient même allées beaucoup plus loin. Françoise m'a raconté qu'un jour, il est venu un monsieur, deux messieurs à son cabinet dont avait une balle à extraire et Bernard avait fait une intervention pour enlever la balle dans l'épaule. Et pour pas que tout ça soit mis au jour et que c'était vraiment quelque chose de... Encore comme il savait le faire, c'était quelque chose de caché. Mais les policiers n'ont aucune preuve de tout ça. Roald n'a jamais eu de problème avec la justice. Il place sur écoute celle que le dentiste appelle le plus souvent en France, Christiane Seguin. Mais Roald ne dit rien de compromettant. 6 mois après l'assassinat, l'enquête s'enlise. Mais en juillet 1992, 8 mois après le meurtre, la justice italienne va apporter un sacré coup de pouce à l'enquête. Les carabiniers d'Aoste recueillent les confessions d'un mafieux, un certain Salvatore Caruso. C'était un maçon du sud de la région calabraise, immigré à Aoste depuis pas mal d'années. Il était marié à une femme calabraise. Son beau-frère, un mafieux lui aussi, venait d'être assassiné dans le cadre d'une guerre entre deux bandes rivales de la mafia à Torrianova, un petit village de Calabre. C'était une guerre de territoire qui avait pour enjeu le contrôle du crime organisé dans la région et en un peu moins de 3 ans, elle avait déjà fait 35 morts. Lors de la dernière attaque contre la bande de Caruso, 4 à 5 mafieux avaient été tués en une seule et même journée. L'un d'entre eux avait même eu la tête arrachée par la puissance du coup de feu. Caruso est prêt à trahir. Il veut balancer le nom des mafieux et leurs crimes dans le détail. D'après ce que j'ai compris, Caruso a décidé de collaborer. Quand son clan lui a demandé de tuer, c'est à ce moment que Caruso a pris peur. Il a eu peur pour sa vie et il a préféré collaborer avec l'État parce qu'on lui garantissait une protection. Caruso raconte plusieurs crimes commis en Italie. Et au passage, il raconte un assassinat commis en France, à Clermont-Ferrand. L'été précédent, un collègue de chantier, Giuseppe D'Agostino, lui a demandé de recruter quelqu'un pour une basse besogne. Un contrat pour un ami, un dentiste. D'Agostino Giuseppe fréquentait le cabinet dentaire du docteur Rouald. Ils avaient fini par devenir amis. Et le dentiste lui a dit explicitement qu'il avait de gros problèmes avec son ex-femme qui habitait Clermont-Ferrand et qui lui demandait constamment de l'argent. Ils ont commencé à parler de tuer Madame Françoise Ferrerol. Le docteur a demandé à D'Agostino s'il pouvait trouver quelqu'un pour le faire. Il était prêt à payer une belle somme pour ça. Caruso a accepté le contrat. Il a donné rendez-vous à D'Agostino dans une villa sur la Côte d'Azur et lui a présenté 3 tueurs de sa bande. Tous sont originaires, comme lui, du village de Torrianova. Antonio Sorrento, un pizzaiolo de 26 ans.
Roberto Reitano, un maçon de 25 ans, et Santo Acciuto, un autre maçon, 27 ans. C'était des criminels, des types qui tuaient pour de l'argent, qui tuaient pour la vendetta. Le plus dangereux était Acciuto. C'est lui qui commandait les deux autres, Reitano et Sorrento, qui étaient plus jeunes. Acciuto était un homme extrêmement dangereux. Il était considéré par les forces de police calabraises, mais aussi de Gênes, comme un homme réellement prêt à tout. Il vivait essentiellement du trafic de stupéfiants, mais il était aussi capable de commettre des meurtres. Il était accusé de plusieurs meurtres et tentatives de meurtre. Donc, d'après ce Caruso, Roald a demandé à un de ses patients, D'Agostino, d'engager quelqu'un pour tuer sa femme. D'Agostino aurait fait appel à Caruso, un mafieux, qui a recruté trois gars de sa bande, Acciuto, Reitano et Sorrento. En novembre 1991, Roald aurait accompagné les trois tueurs italiens en France, il les aurait logés, il leur aurait remis une arme. Caruso, lui, serait resté en Italie, il était convenu que ses copains le tiendraient au courant. Selon Caruso, les trois mafieux ont retrouvé Roald une dizaine de jours plus tard à la gare de Lyon-Perrache. Ensemble, ils ont pris la Mercedes du dentiste direction le petit village de Saint-Laure, à 25 km de Clermont-Ferrand. Le village de la veuve Seguin. Pendant le voyage, le docteur Roald a expliqué aux trois tueurs italiens qu'ils seraient logés chez cette dame et qu'ensuite, elle les emmènerait en repérage pour voir la maison de Françoise Ferrerol et les alentours. Elle devait les aider à la préparation du meurtre. Roald et les Italiens sont arrivés en fin d'après-midi chez Christiane Seguin. Ils se sont présentés et la dame a donné l'arme à Roald qui l'a ensuite donnée à Reitano, le plus costaud des tueurs, physiquement. Ils sont allés dans le garage vérifier que l'arme fonctionnait bien. Roald leur a donné deux types de cartouches, des italiennes et des françaises. Ils ont essayé le Beretta 7.65 avec le silencieux en tirant sur une bûche. D'après Caruso, pendant qu'il tirait, les autres étaient dehors pour écouter si ça faisait du bruit. Après le test, ils ont choisi les cartouches italiennes parce qu'elles étaient plus efficaces. Roald a laissé les tueurs avec Madame Seguin et il est retourné en Italie. Trois jours plus tard, le dimanche, il est revenu pour régler les derniers détails. Cette fois, Caruso l'a accompagné. Le dentiste a détaillé aux tueurs les habitudes de sa femme. Il leur a aussi laissé une avance pour leurs frais. Dans un premier temps, Roald leur a donné un acompte de 2 millions de lire, l'équivalent de 1 000 euros, pour qu'ils puissent s'acheter des pantalons de survêtement et se faire passer pour des gens qui font leur jogging le jour du meurtre. Caruso raconte qu'ensuite, Roald et lui sont repartis en Italie. Il fallait que le dentiste soit à Aoste au moment de l'assassinat. Le jour de l'assassinat, Caruso était donc déjà rentré en Italie. Mais ses copains de la mafia lui ont raconté le meurtre en détail, le meurtre et tout ce qui s'est passé ce 26 novembre 1991. Alors, devant les carabinieri, le repenti lâche toute l'histoire. Caruso raconte que le jour du meurtre, Christiane Seguin a conduit les trois mafieux à Clermont-Ferrand. Les Italiens portaient leur tenue de jogging. Acciuto, le chef, est allé à la gare avec des vêtements de rechange. Les autres se sont postés tout près de la maison de Françoise. Sorrento Antonello s'est placé près de la porte d'entrée du logement de Madame Ferrerol. Et l'autre, Roberto Reitano, est resté dans la rue pour faire le guet.
Lorsque Françoise est sortie avec sa chienne, Sorrento en a profité pour entrer par la porte arrière et attendre son retour à l'intérieur. À 7h28 exactement, Françoise Ferrerol est rentrée chez elle. Elle a ouvert la porte. Et tout à coup, au moment où elle refermait, Sorrento est arrivé par derrière et l'a abattu de 4 coups de silencieux. 3 balles à la tête et une autre balle qui lui a perforé l'abdomen au niveau du poumon. Françoise est morte sur le coup. Ensuite, les deux mafieux ont pris la fuite par l'arrière de la maison. Ils ont retrouvé Christiane Seguin dans une rue voisine. Reitano et Sorrento ont retrouvé Madame Seguin pour lui donner un paquet qui contenait le pistolet. Et, en échange, elle aura remis un autre paquet contenant, selon Caruso, 8 millions de lire. Elle leur a donné une partie de l'argent que Roald leur devait pour l'assassinat de sa femme. Les deux Italiens ont rejoint la gare en courant comme s'ils faisaient un footing. Sur place, Acciuto leur a donné leurs vêtements de rechange. Et ni vu ni connu, les trois mafieux ont quitté la ville par le train. Lorsque le docteur Roald a appris que sa femme avait bien été tuée, selon les déclarations de Caruso, il s'est dit très content du résultat parce que tout s'était bien passé et que les trois mafiosi ne s'étaient pas fait repérer. Il était tellement content qu'il voulait même organiser un dîner pour les remercier tous, pour montrer sa reconnaissance. Et puis, il a dit à Caruso qu'il avait enterré le pistolet dans un lieu sûr, en France, que personne ne pourrait jamais le retrouver. C'est en Italie que Roald a versé le reste du contrat. Au total, pour tuer sa femme, il aurait payé 110 millions de lire, 60 000 euros. La moitié a été versée aux trois tueurs à gages. Avec l'argent du meurtre de Madame Ferrerol, ils ont acheté des Kalachnikovs, 5, et 2 missiles solaires. Sans doute pour prévoir un attentat à la voiture ou quelque chose dans ce genre. Ces armes, en tout cas, étaient destinées à une action de vengeance contre le clan adverse, à celui d'Acciuto. Le mafieux Caruso apporte donc un témoignage très précis au carabinier. Il espère que ces révélations vont lui permettre d'obtenir le statut convoité de repenti. Alors Dominique Rizet, avant de balancer tout ce qu'il sait sur le meurtre de la femme du docteur Roald, Caruso demande à bénéficier en Italie du statut de repenti. De quoi s'agit-il ? Un repenti, un pentito en italien, Christophe. C'est comme ça qu'on appelle un membre de la mafia, de la 'Ndrangheta, de Cosa Nostra ou de la Camorra, qui accepte de briser l'omerta, la loi du silence, et de collaborer avec la police. Alors, on dit les repentis, la justice préfère dire les collaborateurs de justice, c'est plus élégant. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on passe un marché avec eux. En échange d'informations dont ils disposent en raison de leur passé criminel, on leur demande des noms, des dossiers, on leur demande des détails sur des exécutions auxquelles ils ont participé ou dont ils ont entendu parler. On leur demande des témoignages écrits, c'est pas rien. On leur demande aussi des témoignages oraux devant les tribunaux. Il y a des repentis qui sont allés témoigner pendant plusieurs années. Il y en a un qui a témoigné pendant 6 ans dans tous les tribunaux d'Italie qu'on a promené un peu partout. Contre tous les gens qu'il a fait tomber, quoi. Exactement. Par son témoignage. Il y a une contrepartie, c'est une réduction de peine, c'est un abandon des poursuites, et évidemment on les protège, la police les protège, eux et leur famille. Mais qui décide qu'on accorde ou qu'on n'accorde pas le statut de repenti ? Alors, c'est le Haut Commissariat, une autorité qui est composée de spécialistes de la lutte contre la mafia, qui dit voilà, celui-ci on va lui donner une réduction de peine parce qu'il nous a vraiment aidés, on va le protéger parce qu'il est vraiment menacé. Et à titre d'info, en 96, hein, au plus haut de la répression anti-mafia, en Italie, il y avait 6000 personnes qui étaient protégées, des repentis et leurs familles. Ça veut dire, alors c'est quelque chose de très sérieux,
on va juste rajouter ça, c'est que ces gens-là, quand on leur demande de dire la vérité, c'est toute la vérité. Il est arrivé qu'on s'aperçoive qu'un repenti avait gardé des choses pour lui, donc on lui a retiré sa protection policière. Ce qui en dit long sur les jours qui lui restent à vivre. Alors, dans notre affaire, Salvatore Caruso va obtenir ce statut de repenti, c'est-à-dire qu'il va être protégé par le Haut Commissariat. Dans les heures qui suivent la confession de Caruso, les carabinieri italiens préviennent le commissariat de Clermont-Ferrand. Au commissariat, c'est le chef d'enquête qui décroche. Jacques Chauchard n'est pas surpris d'apprendre que Roald a sans doute commandité le meurtre de sa femme. En revanche, il était loin d'imaginer ça, la mafia à Saint-Laure, un village de 300 habitants. Saint-Laure, c'est la petite commune tranquille, avec des habitants tranquilles qui ne bougent pas, et trois jeunes mafieux de la 'Ndrangheta calabraise au milieu de Saint-Laure, c'est très surprenant. Quant à Madame Seguin, elle a toujours fait une excellente impression aux policiers de Clermont. Madame Seguin, pour nous, policiers, nous voyons une brave paysanne auvergnate, bien en chair, la bonne mamie, comme on peut l'imaginer, la bonne, bonne cuisinière, vous voyez, la mamie auvergnate qui va vous faire des tartes aux pommes, et pas du tout qui va héberger des tueurs calabrais. Quatre jours plus tard, les carabiniers viennent incognito à Saint-Laure vérifier si les propos de Caruso sont crédibles. Les policiers français les accompagnent. Ensemble, ils confrontent les déclarations du mafieux avec la réalité. La première chose qu'ils ont voulu vérifier, c'était la couleur de la terre qui est à proximité de l'église. Cette terre, d'après le repenti qui avait décrit les lieux, était de couleur rouge-ocre. Effectivement, c'est la couleur qui entoure l'église. Caruso a aussi décrit très précisément Madame Seguin et sa maison. Chauchard trouve un prétexte pour voir l'intérieur, sans éveiller les soupçons de la veuve. Il entre avec un carabinier qui peut passer pour un policier auvergnat. Di Bella, lui, est trop typé italien. Il reste dans la voiture. Il nous avait parlé d'un portail qui se fermait au milieu. Il avait aussi parlé de deux piliers qui encadraient ce portail. Caruso avait également précisé qu'il y avait un jardin avec des poules et des canards. Tous ces détails étaient exacts. À l'intérieur aussi, tout correspond. L'agencement des pièces, comme le revêtement de sol. Caruso avait bien décrit une particularité du carrelage, à savoir que ce carrelage dans l'entrée de la maison était défoncé par endroits. Les dalles étaient cassées. Et effectivement, que le carrelage était bien cassé, défoncé à l'entrée de la maison de Madame Seguin. Caruso n'a pas pu inventer tout ça. Il est bienvenu à Saint-Laure, chez Madame Seguin. L'inspecteur Chauchard n'en revient toujours pas. C'est la seule affaire criminelle que j'ai eue dans toute ma carrière où j'ai eu une personne comme Madame Seguin. Je dois le reconnaître, qui m'a, les premiers temps, m'a berné. Les policiers meurent d'envie de la placer en garde à vue. Mais il faut d'abord mettre la main sur Roald et sur les mafieux. Trois semaines plus tard, c'est chose faite. Le 6 août 92, les carabiniers annoncent au juge qu'ils ont coffré tout le monde. François de Neyer, vous êtes le juge d'instruction qui a conduit cette enquête. Quatre jours après leur arrestation, les Italiens sont entendus par les juges italiens. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur première déclaration ? En ce qui concerne les trois auteurs de l'homicide, on peut dire, Asciutto, Sorrento et Aetano, ils vont nier en bloc. Et Roald ?
Alors Rouald, lorsqu'il est entendu par les autorités italiennes, il va commencer par nier avoir participé d'une façon ou d'une autre au meurtre de son épouse. Il va parler de son épouse dans des termes peu flatteurs, en expliquant qu'elle est impliquée dans un trafic de stupéfiants, et il est persuadé, lui, que l'homicide de son épouse est en rapport avec ce trafic de stupéfiants, expliquant qu'elle avait l'habitude de se rendre en Italie, dans la région de Turin, pour se livrer, selon lui, à un trafic de stupéfiants. J'imagine qu'en tant que juge d'instruction français, vous aimeriez bien pouvoir l'interroger vous-même, fût-il en Italie. Oui, mais alors le problème, c'est que procéduralement, c'est pas possible, puisqu'il est détenu en Italie, puisqu'il a été arrêté là-bas, et qu'il doit être interrogé conformément au code de procédure italien. À l'époque, je vous rappelle que le juge d'instruction n'existe plus en Italie, donc c'est un juge dans un cadre préliminaire qui procède à son interrogatoire. J'ai assisté à cet interrogatoire lorsque je me suis rendu à Aoste, mais en aucune façon, je ne peux poser de questions directement. Celle que le juge et les policiers français peuvent interroger, en revanche, c'est Christiane Seguin. Elle est interpellée immédiatement. Les inspecteurs lui annoncent que Caruso a tout avoué. Ils savent qu'elle a hébergé les tueurs. Là, elle a été à son tour très surprise de savoir que nous savions. Elle a été très longue à venir à reconnaître la présence de ces gens à son domicile. Mais comme elle a vu que nous avions trop d'éléments, elle ne pouvait pas nier. Donc elle les a reconnus. Elle a reconnu la présence, mais elle ne les voyait pas venir tuer quelqu'un à Clermont-Ferrand. C'était pas... Pour elle, c'était des braves garçons qui étaient chez elle. Christiane Seguin semble tomber des nues. Elle raconte qu'elle a simplement logé et nourri des amis du docteur Rouald, comme il le lui avait demandé. Mais elle ne savait pas que ces Italiens étaient là pour tuer sa femme. Pour elle, elle rendait service au docteur Rouald en hébergeant trois Italiens, avec lesquels d'ailleurs elle n'entretenait aucun contact, puisqu'ils ne parlaient pas la même langue, sans se poser de questions. C'était une prestation hôtelière sans plus. Elle les logeait, elle les nourrissait, et quand ils souhaitaient aller quelque part, ce qui s'est produit à deux reprises, elle les conduisait à l'aide de son véhicule. C'est tout. D'après ce qu'elle dit, les trois Italiens avaient tous les jours le même emploi du temps. Ils se levaient vers 10 heures et jouaient aux cartes dans leur chambre. En début d'après-midi, elle les emmenait à Clermont-Ferrand et les déposait sur un parking à l'entrée de l'agglomération, là où, dit-elle, elle gare sa voiture car elle ne conduit jamais en ville. Ce que dit Madame Seguin de façon constante, c'est qu'elle se gare au parking de la Bricaillerie parce qu'elle a peur de conduire en ville et qu'au parking de la Bricaillerie, elle peut prendre un bus pour le centre-ville et qu'elle ne paye pas le bus puisque son mari a été employé de la compagnie de bus clermontoise. Selon Madame Seguin, il n'y a eu qu'un seul changement au programme des Italiens. Trois jours avant le meurtre, elle ne les a pas amenés en ville, mais dans un supermarché acheter des joggings et un sac de toile. La veuve n'a rien d'autre de particulier à raconter. Elle n'a vu aucune arme, elle ne sait pas comment ils ont débarqué chez elle. Elle se souvient simplement de ce qu'elle leur a cuisiné. Lorsqu'il y a des éléments très précis et totalement anecdotiques, elle s'en souvient. Par exemple, elle se rappellera de ce qu'elle a fait à manger tel jour au Calabré. La boîte d'escargots, notamment, qu'ils ont acheté au supermarché, ou un poisson qu'elle a fait, qui était trop cuit parce qu'ils sont arrivés en retard. Ça, elle s'en souvient. Mais alors, quand on lui demande des détails beaucoup plus précis, qui impliquent dans l'assassinat, elle s'en souvient plus. Quant au jour même de l'assassinat, Madame Seguin admet uniquement qu'elle les a déposés sur le parking vers 6 heures du matin. Ils avaient, dit-elle, un train à prendre. Mais après plus de 24 heures de garde à vue, elle finit par craquer un peu. En fin de garde à vue, elle a fini quand même par reconnaître qu'elle les avait retrouvés à proximité du domicile de Madame Ferrérol à 7h30 du matin, qui est l'heure du crime. Et là, sans pouvoir nous expliquer pourquoi il y a eu ce rendez-vous, elle avait rendez-vous avec deux des Italiens pour un échange de paquets. Les Italiens lui remettaient un paquet de forme assez allongée et lourd, et elle leur remettait un autre paquet dont elle ignorait la contenance, bien sûr. Elle a reconnu qu'il y a eu un échange de paquets à 150 mètres du domicile de la victime, le jour du meurtre, à l'heure du meurtre.
Selon Caruso, ces paquets contenaient l'arme du crime et une partie de l'argent du contrat. Mais Christiane Seguin continue de dire qu'elle n'était au courant de rien. Elle n'a fait que rendre service au docteur Roald. Elle a dit que cet échange ne lui avait pas paru à l'époque insolite, à telle enseigne qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait dans les paquets. C'est le docteur Roald qui avait demandé de les remettre. Elle n'a fait aucune vérification, elle ne les a pas ouverts. Et elle n'a jamais eu le sentiment qu'elle a participé à la préparation ou à l'élaboration d'un meurtre. Un échange de paquets à 7h du matin. Des Italiens qui habitent chez elle pendant 5 jours sans sortir ou presque, dont elle ne sait ni qui ils sont, ni ce qu'ils font. Pour les policiers, ça ne tient pas. Mais ils ont beau le répéter à Madame Seguin, la veuve est têtue. Quand vous avez une dame de 62 ans, qui est bonne mamie comme ça, qui vous regarde avec ses grands yeux étonnés, qui ne comprend pas ce que vous lui reprochez, vous avez beau lui expliquer qu'elle vous fait prendre des vessies de cochon pour des lanternes vénitiennes, mais ça passe pas quand même. Le lendemain, Christiane Seguin maintient cette version devant le juge. Il l'inculpe pourtant pour complicité d'assassinat et la place en détention provisoire. Le juge d'instruction se penche sur la personnalité de Christiane Seguin et l'étrange lien qui la lie à Bernard Roald. Il veut comprendre qui est cette mamie tarte aux pommes qui a berné les policiers de Clermont-Ferrand. Comment cette petite dame tranquille a-t-elle pu se retrouver avec la mafia chez elle et un meurtre sur le dos? Christiane Seguin est veuve. C'est une retraitée qui aime la cuisine, le tricot et le jardinage. Elle est restée mariée 35 ans, mais n'a jamais eu d'enfant. Christiane a longtemps été institutrice dans des écoles catholiques avant de reprendre le bar-restaurant de sa mère à Saint-Laure. Les gens d'ici la connaissent bien. C'est une figure du village. C'est une femme qui avait un très très fort caractère. Très dure en affaires. Elle vivait chichement, bon, comme dans beaucoup de familles auvergnates. Un sou, c'est un sou. On épargne, mais elle avait pas mal d'argent et surtout, elle avait pas mal de biens, des terrains qu'elle avait en fermage, etc. C'est elle qui a fait le lotissement où on habite aujourd'hui. Elle a viabilisé à peu près 13 ou 14 maisons. Elle maîtrisait bien sa vie. A priori, Christiane Seguin n'avait pas de problème d'argent. C'est pas ça le mobile. C'est une catholique pratiquante, elle va à la messe tous les dimanches et elle est serviable. C'était une dame très gentille, toujours prête à rendre service. On n'avait pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Elle le sentait qu'on avait besoin de quelque chose, elle était là. C'était quelqu'un de charmant. Mes filles, quand j'avais besoin de les faire garder, il n'y avait pas de problème. Elle était là. Quand on allait récupérer les filles chez elle, on repartait avec une douzaine d'œufs. Puisqu'elle avait des poules, elle avait des œufs. Bernard Roald est entré par hasard dans la vie de Christiane. Un jour où Bernard Roald est tombé en panne avec sa voiture, il s'est arrêté au restaurant, il avait un problème de refroidissement d'eau sur sa voiture, elle lui a donné 2-3 litres d'eau, il a refait le plein et quelques temps après, il lui a amené des croissants pour la remercier de son geste. Roald est revenu souvent. Et il s'est encore rapproché de Christiane quand elle a perdu son mari 2 ans avant l'affaire. Le dentiste l'a beaucoup soutenu à ce moment-là. Comme il était lui-même en instance de divorce, Madame Seguin s'est mise à l'héberger quand il venait en France. Madame Seguin, c'était... Comme on a l'homme à tout faire, il y avait la femme à tout faire. Et c'était Madame Seguin, c'était son pied-à-terre clermontois. C'est elle qui s'occupait de ses affaires clermontoises, qui allait jusqu'à lui payer ses impôts. C'est occupé lorsque le drame est arrivé, qu'on n'avait pas connaissance, bien sûr, de son implication. C'est même proposé pour servir de gouvernante pour ses 2 enfants, ses 2 fils. Elle faisait toutes les démarches administratives que le docteur ne pouvait pas faire de par son implantation en Italie, à Aoste. Bernard Roald passait environ tous les 15 jours à Saint-Laure. Apparemment, quand il était là, Madame Seguin ne se consacrait qu'à lui.
à Saint-Laure, c'est vrai qu'on ne côtoie pas tous les jours des médecins, c'est vrai qu'on ne côtoie pas tous les jours, enfin, un médecin, un dentiste. On ne rend pas service tous les jours à un dentiste. Elle avait une vie qui était un petit peu monotone, sa maison à Saint-Laure, ses quelques sorties, etc. Et donc, quand il venait, c'était un bout de rayon de soleil qui arrivait chez elle, quoi. Et Madame Seguin aimait afficher au village cette relation privilégiée avec le docteur. Madame Seguin a toujours vouvoyé le docteur. Elle parlait du Roald avec beaucoup d'admiration. Elle ne l'appelait jamais par son prénom. Elle n'a jamais dit « Bernard veut ceci, j'ai fait ceci pour Bernard ». Elle parlait toujours du docteur. C'était le docteur, docteur Roald. C'était surtout quelqu'un qui était en admiration profonde devant cet homme. Cette admiration l'aurait donc aveuglé. Madame Seguin, à plusieurs reprises, m'avait évoqué la possibilité pour elle de favoriser M. Roald par une vente en viager ou diverses dispositions. Et il avait fallu à cette époque-là que je la freine, et j'avais été étonné, la connaissant depuis tellement longtemps, qu'elle se focalise sur cette personne qu'elle connaissait, ma foi, que depuis quelques années. Les policiers pensent avoir trouvé le mobile de Madame Seguin, son amour pour Bernard Roald. C'est par amour qu'elle aurait fait ça, à sa demande, accueillir des tueurs chez elle, par amour qu'elle l'aurait aidé à tuer sa femme. Pour autant, Madame Seguin affirme qu'ils n'ont jamais été amants, juste de très bons amis. Et les policiers ne trouvent d'ailleurs rien d'équivoque, ni dans les écoutes téléphoniques, ni chez elle. Lorsque nous avons fait les perquisitions, ils faisaient bien chambre à part, ils avaient chacun leur chambre. Je n'ai trouvé aucun document, aucune lettre, aucun petit mot écrit qui puisse laisser penser à une quelconque relation amoureuse. Ouais. Seule certitude, un lien très fort unit Madame Seguin à cet homme. Elle semblait prête à tout pour lui. Monsieur de Neyer, finalement, quand on s'intéresse aux relations qu'entretenait le docteur Roald avec Madame Seguin, ça conforte bien la thèse de Caruso, quoi. Cette femme était prête à tout pour le docteur, comme elle l'appelait. Effectivement, dès lors que Monsieur Roald va s'installer en Italie après le divorce avec son épouse, c'est elle qui va l'accueillir, c'est elle qui va l'héberger. C'est une femme très dévote, docteur Roald, ça ne fait aucun doute. Caruso a raconté que les mafieux italiens s'étaient partagé l'argent du contrat. Il n'a pas parlé de Madame Seguin. Elle a reçu de l'argent, Madame Seguin ? Vous avez trouvé trace de ça ? L'enquête n'a pas pu établir qu'elle avait reçu de l'argent. Selon toute vraisemblance, elle n'en a pas reçu. L'ensemble du prix de la mort de Madame Ferrerol, si j'ose dire, a été réparti entre les Italiens. Et puisque cet argent, on le sait, a servi à acheter des armes qui étaient destinées à faire la vendetta dans la région de Torrianova, en Calabre. Le docteur Roald est réinterrogé 6 mois plus tard. On est en décembre 92. Il est toujours en Italie. Est-ce qu'il commence à lâcher quelque chose ou est-ce qu'il est toujours sur la ligne « j'y suis pour rien » ? Alors, il est interrogé, oui, en décembre 92. Dans un premier temps, il continue à dire « j'y suis pour rien ». Autant que je me souvienne, il y a eu une suspension d'audition. Il s'entretient avec son avocat et là, il revient en expliquant qu'effectivement, ce que dit Madame Seguin est vrai, qu'il lui a bien demandé d'héberger 3 Italiens, mais il ne veut pas aller plus loin. Il reconnaît, tel que c'est traduit dans le procès-verbal, avoir sollicité D'Agostino pour qu'il recherche quelqu'un pour commettre une action délictueuse, hein, sans plus de précision à l'égard de sa femme. Mais là, il ne va pas aller plus loin, puisqu'il dira que finalement, à ce moment-là, il a peur pour sa vie, qu'il a reçu des menaces, et il ne veut pas en dire plus. Alors, quelques semaines plus tard, vous allez pouvoir le voir, Roald, en Italie. Il vous raconte la même chose que ce qu'il a dit jusque-là aux Italiens ? Alors, pas du tout. Il y a un élément important, c'est qu'il a changé d'avocat, enfin, qu'il est un second avocat. Et juste avant l'audition du docteur Roald, le Pasquale Longarini, qui était substitut du procureur d'Aospe, prévient que cet avocat lui a été, pardonnez-moi l'expression, mis entre les pattes. Par la mafia ? Qu'il s'agit d'un avocat de Turin, voilà, qui serait affilié, enfin, qui aurait l'habitude de défendre les membres de la 'Ndrangheta calabraise. Et donc, il me prévient. Effectivement, l'audition, je vois un monsieur Roald que je voyais pour la première fois, un petit personnage petit, falot, sans trop d'envergure, et qui visiblement a l'air
pas terrorisé, mais à tout le moins sous la coupe de cet avocat. Et là, effectivement, il va revenir complètement en arrière en disant que tout ce qu'il a déclaré lors de son audition au mois de décembre, il l'a fait parce qu'il était épuisé psychologiquement, que tout ce que dit Mme Seguin, c'est pas vrai, il va parler d'un complot et... Il fait marche arrière sur l'essentiel, quoi. Il fait marche arrière sur l'essentiel, et c'est quand même curieux, moi, ce qui m'a marqué, parce que c'est la dernière image que j'ai du Dr Roual, c'est qu'au moment de quitter la salle d'audition, à un moment donné, il vient vers moi, et là, j'ai vraiment l'impression de personne apeurée, il me dit « Monsieur le juge, il faut m'extrader ». Et à ce moment-là, l'avocat dont je viens de vous parler se rue, j'ai ce souvenir-là, se rue vers lui en disant en italien, je parle pas l'italien, mais j'ai compris le sens tout de suite, en clair, il faut pas parler au juge français. Et Roual part, et je ne le reverrai plus. Bernard Roual est détenu à la prison italienne de Brissogne, à 10 km d'Aoste. Mais le juge français n'aura pas le temps d'obtenir son extradition. Le 7 mars 1993, le dentiste est retrouvé pendu dans sa cellule. Près du lit, il a laissé une lettre pour ses enfants, une lettre dans laquelle il ne dit rien sur l'assassinat de leur mère. Pour l'essentiel, Bernard Roual leur parle d'argent. En des termes d'ailleurs relativement peu compréhensibles, on a tous cherché à décrypter. Il s'excuse pour dire que ben, y a pas d'argent en banque ou qu'en tout cas l'argent ne le retrouvera pas. Il leur dit quand même qu'il les embrasse beaucoup et il leur dit surtout ça va être dur pour vous. Et c'est signé le papa Bernard. L'aspect affectif est quand même limité à trois mots. Je vous embrasse beaucoup. Bernard Roual ne demande pas pardon à ses enfants. Il n'explique pas pourquoi il les laisse orphelins. Il emporte son secret avec lui. Martine Ferréol, vous êtes allé voir le docteur Roual, votre beau-frère, en prison, avec ses enfants. Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que vous y êtes allé d'abord? Pour les enfants, je suppose? Non, pas du tout. C'est à sa demande, à lui. Il nous a demandé d'aller en Italie, donc tous les trois, parce qu'il voulait voir ses enfants. Donc on est allé en Italie, il était dans une prison à l'isolement, il a à peine dit bonjour aux enfants, il leur a même pas demandé de leurs nouvelles, ni comment ils vivaient, ni tout, si tout se passait bien, rien du tout. Il était seulement préoccupé parce qu'il avait pris des dispositions, s'il lui arrivait quelque chose bien sûr, et ces dispositions à l'encontre de ses enfants, mais on l'a su bien plus tard, le gênaient beaucoup et il me parlait beaucoup de ça. Comment est-ce que vous réagissez quand vous apprenez le suicide de votre beau-frère en prison? Alors, suicide, je n'y ai pas cru du tout. Pour vous, ce n'est pas un suicide? Pas du tout, pas du tout, parce que j'y suis retournée une deuxième fois, à sa demande aussi. Donc là, il m'a expliqué qu'il voulait être extradé rapidement, qu'il voulait que le juge arrive, aille le voir. Il avait des choses à dire, parce qu'il dit « je suis avec un détenu, un codétenu de la mafia ». Et à mon avis, ils ne vont pas me laisser 8 jours à vivre. Il est mort combien de temps après? 8 jours. 8 jours après, il est mort? Oui. Donc pour vous, on va être clair, il a été exécuté par la mafia en prison? Voilà, tout à fait, oui, oui, c'est ce que je pense. Les poursuites contre Bernard Roual s'arrêtent donc là. Mais l'affaire est loin d'être finie. L'instruction se poursuit contre les mafieux italiens et bien sûr Christiane Seguin. Si la preuve est faite qu'elle a bien aidé les tueurs à gages, elle devra être jugée pour complicité d'assassinat. Pour l'instant, elle nie. Il n'y a que Caruso qui l'implique dans cette affaire. Mais au fil des mois, les témoignages s'accumulent. En Italie, quelques mois après ces révélations, le mafieux Caruso obtient finalement le statut de repenti. Il s'est bien montré fiable dans toutes ces révélations. Il a contribué de manière déterminante à trouver les tueurs et les commanditaires de nombreux meurtres en Calabre. Grâce à lui, on a arrêté en une seule nuit 19 personnes. Tout ça n'arrange pas Christiane Seguin, car le repenti la met directement en cause dans l'assassinat de Clermont-Ferrand. D'autant qu'en janvier 1993, un autre témoignage est venu encore saper sa défense. L'autre intermédiaire italien, Giuseppe D'Agostino, est passé lui aussi aux aveux. Il a confirmé toutes les déclarations de Caruso. Madame Seguin était au courant de tout,
L'arme était entreposée chez elle et la veuve était là quand Roald l'a donnée au tueur. Durant l'interrogatoire, on a montré à D'Agostino des photos que nous avions prises en France. Il a reconnu les lieux. Il a aussi formellement identifié Madame Seguin sur photographie. En somme, il a admis et reconnu tout ce que nous lui avons montré sur les clichés. Selon les Italiens, Madame Seguin faisait bien partie de la bande. Pour preuve, tous les matins, elle leur demandait de ne pas faire de bruit avant 10 heures. Il fallait à tout prix éviter le paysan qui venait nourrir ses poules. Nous avons entendu, bien sûr, ce paysan qui venait nourrir les poules à heure régulière, à savoir entre 8h et 10h. Il n'a jamais vu personne. Il venait même boire le café dans la cuisine. Il n'a jamais perçu une autre présence que celle de Madame Seguin. Étrange. Les voisins non plus ne les ont jamais vus. J'habite à 150 mètres, 200 mètres au-dessus du pavillon de Madame Seguin. Je passais au moins 4 fois par jour, ne serait-ce que 2 fois pour aller au boulot, 2 fois pour en revenir. J'ai jamais rien remarqué. Mon épouse faisait le ménage chez Madame Seguin. Elle y allait 3-4 fois par semaine. Et elle n'a jamais rien remarqué. Pour que les Italiens ne soient pas repérés à Saint-Laure, il fallait vraiment que Madame Seguin les cache. Et pourquoi, si c'était de simples touristes? Les policiers recueillent encore un autre élément troublant. La veuve prétend qu'elle n'a pas déposé les Italiens dans le quartier de la victime car elle ne conduit jamais en centre-ville. Or, quelqu'un l'a déjà vu conduire jusqu'au pavillon de Françoise. J'ai vu Madame Seguin le jour de l'état des lieux de l'appartement de Madame Roald et elle s'est garée rue du Ressort. Elle n'avait apparemment pas de problème ni pour démarrer, ni pour sortir de son stationnement, rien. Et 2 jours plus tard, elle est revenue et elle est remontée dans sa voiture sans avoir apparemment des problèmes pour conduire ni pour se garer. Non. Elle était plus à l'aise que moi au volant, ça c'est sûr. Madame Seguin a donc très bien pu déposer les Calabrais sur les lieux du crime, comme il l'affirme. François de Neyer, pour vous, elle a, depuis le début, su exactement de quoi il s'agissait, qu'il s'agissait de commettre un assassinat, et au fond, quand elle les amène à tel endroit, quand elle leur remet un paquet, elle sait que c'est une arme, quand elle les amène, elle sait qu'elle les amène sur les lieux du crime, et quand elle les cache chez elle, elle sait qu'elle cache des assassins. Je suis absolument persuadé qu'elle savait tout depuis le début. Et d'ailleurs, il y a un élément, c'est Caruso qui le dit, lorsque les 3 Italiens sont au domicile la semaine précédant l'homicide, à un moment donné, pourquoi Roald et Caruso viennent à Saint-Laure, c'est parce qu'il y a un coup de téléphone entre les Italiens et Caruso, qui dit que visiblement, Madame Seguin ne veut plus aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Pour moi et pour les enquêteurs à l'époque, il ne fait aucun doute qu'elle était absolument au courant. Il y avait trop de choses. Enfin, c'est-à-dire qu'héberger 3 Italiens au fin fond de l'Auvergne, qui restent toute la journée à jouer aux cartes, qui vont simplement faire des courses dans un supermarché, qu'elle emmène sur un parking de la Bricaillerie à l'entrée de Clermont et qu'elle emmène subrepticement prendre le train à 6h30 du matin, le dimanche ou un lundi. Enfin, je veux dire que. Pour moi, il n'y a pas de doute, et je pense que pour elle non plus, mais bon, elle ne me le dira jamais, elle n'a jamais voulu le dire, elle n'a jamais voulu démordre de sa ligne de conduite, et voilà. C'est étrange tout de même quand une femme de 62 ans, bien sous tout rapport, qui, du jour au lendemain, se transforme en complice d'un assassin. Pour moi, je pense que cette femme avait une fascination pour le docteur Roald. Fascination qui l'a conduit à l'assister jusqu'au bout, quoi, et y compris dans le dessein criminel qu'il avait formé de supprimer son épouse. Vous décidez, à la clôture de votre dossier, de demander son renvoi devant la cour d'assises. Sur quel chef d'accusation, alors? Alors, elle est renvoyée devant la cour d'assises pour complicité d'assassinat. Elle risque Perpétuité. –
Les cinq Italiens sont donc jugés en Italie, en février 1994, par la cour d'assises d'Aoste pour l'assassinat de Françoise Ferrerol. Le tueur, Sorrento, est condamné à perpétuité. Ses deux compères, Reitano et Acciuto, à 23 ans. Les intermédiaires, D'Agostino et Caruso, sont condamnés à 12 et 10 ans. Quant à Madame Seguin, en France, elle a été relâchée pour raison de santé après un peu moins de 2 ans de détention provisoire et son procès s'ouvre en mai 1998 devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Christiane Seguin arrive seule dans le box des accusés. Elle comparaît pour complicité dans l'assassinat de Françoise Ferrerol. Personne n'ayant été jugée en France, Madame Seguin était la seule à comparaître. Elle était la seule à prendre le poids de tout ce qui s'était passé et à subir en quelque sorte la contrepartie du dégoût qu'inspiraient ces faits. Donc c'est une image qui ne pouvait que la desservir. 7 ans ont passé depuis le crime. Madame Seguin se présente comme une vieille dame, diabétique et cardiaque. Devant la cour, elle clame à nouveau son innocence. Elle est une femme pieuse et serviable. Elle n'aurait jamais pu participer à un tel crime. Toute sa défense repose sur son parcours d'honnête femme. Les seuls éléments de preuve qui pouvaient exister contre Madame Seguin, c'était essentiellement les propos tenus par M. Caruso. Donc en fait, vous aviez cette confrontation entre une personne sans histoire, une femme âgée, appréciée, qui n'avait pas véritablement attiré l'attention de qui que ce soit de façon défavorable, et puis la parole d'un mafieux patenté. Mais très vite, le président titille l'accusé. Il la pousse dans ses retranchements. Et la veuve se défend maladroitement. Elle paraît agressive. Elle passe mal. Elle avait une petite voix chevrotante. Elle avait une surdité qui était très particulière. Dès que les questions la dérangeaient, elle demandait qu'elles soient répétées. Et des fois, elle était assez incisive, assez arrogante, assez sûre d'elle. Je crois qu'elle a essayé de justifier sans arrêt les contradictions et puis les charges qu'il pesait contre elle. Donc elle a essayé d'avoir une défense très combative. Et c'est vrai qu'elle est apparue comme une femme très forte, contrairement à l'image qu'elle avait voulu donner au départ. Les experts psychiatres qui viennent témoigner ont établi qu'elle avait un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Le comportement de Madame Seguin a véritablement irrité tout le monde, j'en ai la certitude. Ça nous a irrité, nous, partie civile, parce que ces dénégations ne résistaient pas à l'examen des faits. Encore une fois, le faisceau d'éléments accumulés à son encontre démontrait qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir. C'est ce que j'ai plaidé tout le long. Elle ne pouvait pas ne pas savoir. Donc elle ment. En tout cas, Christiane Seguin refuse d'accabler Roald. Hein. Et ça non plus, ça ne l'aide pas. Elle pourrait dire qu'elle s'est trompée sur lui, qu'il l'a manipulée. Mais non, pour elle, Roald est toujours un homme bien. Lorsque le président la mettait en contradiction entre ses déclarations à elle et celles de Bernard Roald, j'avais noté une phrase, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Donc, c'était parole d'évangile. Elle était dans la défense de cet homme, envers et contre tout. On n'avait pas le droit de toucher son ami, on n'avait pas le droit d'en dire du mal, et elle mettait même en doute le fait que cet homme ait pu être le commanditaire d'un assassinat, comme le prétendait l'accusation. À trop défendre Roald, la veuve finit par se perdre elle-même. Elle s'obstinait à dire qu'elle ne s'était doutée de rien, donc je lui ai dit, écoutez, Madame Seguin, vous le savez maintenant, c'est une certitude, Bernard Roald a fait assassiner son épouse. Donc elle l'a admis. Je lui ai dit, mais écoutez, puisque ça, c'est une certitude, qu'est-ce que vous en pensez ? Madame Seguin a dit, il avait peut-être ses raisons. Et là, ça a été un moment d'effroi dans la salle et de stupeur, mais un moment de stupeur et en même temps de répulsion à l'égard de l'accusé. Et on a senti que les choses venaient peut-être de basculer. Reste à interroger Caruso. Le repenti doit venir en personne, à Rion, témoigner au procès. Lui qui, en Italie, est un homme en sursis. Sa tête est mise à prix par la mafia. Au procès d'Aoste, il a dû témoigner par vidéoconférence.
Là-bas, on l'appelle le mort qui marche. Le troisième jour du procès, Caruso doit comparaître à 14h30. Mais il est en retard. Donc on avait envoyé un fourgon de la pénitentiaire pour le prendre en charge à Modane. Il a refusé de monter dans ce fourgon parce qu'il n'était pas blindé. Donc ensuite, nous avons envoyé le GIGN qui est parti avec un hélicoptère. Il a été pris en charge dans l'hélicoptère. L'hélicoptère n'a pas pu voler à cause des intempéries. Donc il a fait demi-tour, il s'est reposé à Modane. Et donc c'est le GIGN qui est reparti en voiture banalisée pour le récupérer et l'amener à Rion. Le repenti italien se présente finalement en début de soirée avec plus de 4 heures de retard. Pour le protéger, autour de lui, 5 policiers d'élite. Quand M. Caruso est arrivé, on a senti un homme traqué, qui, bien qu'étant dans un prétoire, avait manifestement peur, qui regardait partout, avec un œil inquisiteur, pour voir s'il n'y avait pas dans la foule, dans le public, des personnes qui seraient susceptibles d'attenter à sa vie, ou en tout cas de lui faire du mal. On a été en présence d'un homme, entouré de gardes du corps, très protégé, et qui, malgré tout, ne voulait marcher que dos au mur. Je me souviendrai toujours de cette image, cet homme ne marchait que dos au mur, donnant véritablement l'impression qu'il était dans un climat de terreur permanent et qu'il avait peur pour sa vie en permanence. Donc immédiatement, ça crée une ambiance. Caruso ne mâche pas ses mots. Madame Seguin est bien complice, dit-il. Pire, sans elle, l'assassinat n'aurait jamais pu avoir lieu. À la fin de sa déposition, le président demande au repenti d'identifier l'accusé. Il a commencé par dire que le souvenir de la femme qu'il avait rencontrée une seule fois, c'était celui d'une femme un peu plus corpulente, ce qui un peu vexait Madame Seguin. Oui. Il a dit que sa couleur de cheveux était différente et qu'il avait un peu de mal à la reconnaître. Donc à ce moment-là, Madame Seguin a pris la parole et a dit « Vous voyez bien qu'il ne me reconnaît pas, que je ne le connais pas ». Et Caruso a répondu « Si, je reconnais sa voix parce qu'on avait passé du temps à cuisiner des escargots ». Ce qui a été terrible pour Madame Seguin qui s'est assise, qui n'a plus rien dit. Christiane Seguin semble résignée. Au terme des 4 jours d'audience, l'avocat général requiert 15 ans de prison. Les avocats, eux, plaident l'absence de mobile et de preuves tangibles. Ils décrivent une vieille dame manipulée par Bernard Roald, un aveuglement. Les jurés n'y croiront pas. Le verdict tombe après seulement 2 heures de délibéré, 16 ans de prison. Un an de plus que les réquisitions de l'avocat général. Elle ramasse 16 ans de réclusion, elle n'a pas du tout, pas du tout, pas du tout le moindre geste, la moindre réprobation, le moindre cri, et elle encaisse. Elle encaisse. Elle dit rien. Et elle garde son secret, parce qu'on peut quand même penser qu'il y a un secret. Et s'il y a un secret, Christiane Seguin l'a emporté car elle est morte en 2006, 13 ans après l'homme qu'elle vénérait.